Aujourd'hui, on va faire des pancakes sans lait, ni beurre, ni œuf, et je te promets qu'ils seront meilleurs que des originaux. Yo et bienvenue sur OM Cuisine Vegan. Alors aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? On se retrouve pour une vidéo avec moi et Camonet parce que je me suis pas lavé les cheveux et qu'ils sont hyper crades. Non mais plus sérieusement, on se retrouve pour faire une recette hyper facile, hyper rapide, avec très peu d'ingrédients. Et c'est simplement des pancakes. Pancakes. Pan. Ouais, donc c'est un pancakes. Du coup, je vous montre la recette immédiatement. C'est le genre de recette que tu fais en automne. Comme j'ai dit, j'essaie de faire plein de recettes d'automne pour tous ces mois qui arrivent, quoi, jusque décembre. J'espère que vous allez kiffer, franchement. Moi, je les adore. Avec le topping que je vais vous mettre dessus, vous allez trop kiffer. Désolé s'il y a du bruit. Il y a des travaux juste en bas de chez moi. Avant que je te donne la liste d'ingrédients, est-ce que tu as remarqué ma petite déco là que j'ai mis pour Halloween? Je suis trop rincé en déco. Par contre, mon salon, je le fais bien. Tu vois les trucs ou pas? Ok, c'est parti. Du coup, je te montre les ingrédients tout de suite. Magie du montage, c'est parti! Alors, tu auras besoin de sucre, de la farine, du sucre vanillé, du baking powder, du beurre, du lait végétal, n'importe lequel, et une pincée de sel. C'est parti! Alors, du coup, pour commencer, tu vas mettre tous tes ingrédients secs dans un plat, c'est-à-dire la farine, le baking powder, le sucre vanillé et le sucre. Et là, à l'aide d'un fouet, tu vas venir un coup mélanger dedans, histoire que tout se mélange bien, quoi. Et tu mets ta pincée de sel en plus. À ce moment-là, tu vas mettre ton lait en deux fois. Donc une première partie, tu mélanges. Une fois que ça fait une petite pâte de ce style, tu rajoutes le reste du lait. Et voilà, faut que ça devienne bien lisse. Une fois que c'est bien lisse, tu vas mettre ton beurre au four à micro-ondes. Et dès qu'il est fondu, tu le rajoutes à ta préparation. Voilà, et là tu remélanges. Tu mélanges bien comme je le fais. Et tu laisses reposer 5 minutes. Après 5 minutes, tu viens préparer ta poêle que tu m'as chauffée pendant 5 minutes aussi. Tu fais chauffer ta poêle à température moyenne. Dès qu'elle est chaude, tu verses tes pancakes. Une fois que tu vois apparaître ces bulles sur ton pancakes, tu peux retourner. Ça prend même pas 30 à 40 secondes. Et voilà, là c'est prêt. Et tu continues comme ça. J'en ai mis un deuxième parce que c'est trop satisfaisant, regarde. Les petites bulles. Et j'en retourne. Ils sont trop beaux. Et c'est l'heure du dressage. Là, je le fais avec du sirop d'érable. Bon appétit! Ok, ben voilà de retour. Du coup, vous avez vu, c'est hyper facile et c'est délicieux. Bon, là, j'ai fait les classiques donc avec du sirop d'érable. Regardez ça. Oh là là. Ils sont trop parfaits, quoi. Je vous montre en tout près. Oh, ils ont bien gonflé et tout. Bien doré. Délicieux. Goûtez, n'hésitez pas à me le dire, franchement, ce que vous en pensez. Bon, ben, je vais manger ça pour midi. Oh oui, avec le sirop d'érable que j'ai acheté, où je l'ai acheté encore? Ah oui, au marché de Noël l'année passée, c'était des Canadiens qui viennent à Bruxelles. Ils ont tout un étalage avec plein de sirop d'érable et tout plein de trucs comme ça, tu vois. Là j'en ai acheté dans une boîte, je l'ai mis en bouteille, là comme la petite bouteille que vous avez vue. Et c'est trop trop bon, c'est vraiment un classique hein, ça. Ça tu te trompes pas. Oh allez, mais c'est pas possible quoi. Oh je vous jure c'est trop bon, je me lance pas des fleurs mais... C'est délicieux. C'est pas tout. Je vais vous montrer mon combo à moi avec les pancakes. Ça, c'est le classique. On va le mettre là. Et on va reprendre une autre petite pile que j'ai fait. Je vais vous montrer c'est quoi mon autre classique à moi. Mon autre classique à moi, c'est bien simple. Tu prends du beurre de cacahuète.
Bon, c'est hyper fat, hein. Bon, là en automne, faut se faire plaisir. T'en mets sur le dessus, tu tartines bien généreusement, sinon ça n'a pas de goût. Regarde ça, quoi. Ensuite, tu prends de la confiture de fraise, ou n'importe quelle, mais la fraise c'est la meilleure. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tu la mets dessus aussi, être généreux, comme Jean-Marc. Tu la tartines bien. Oh là là, ça je vous jure les gars. Et tu vas franco. Tu te coupes dans ta petite montagne de pancakes. Un bon petit morceau. C'est délicieux. C'est tellement meilleur que tout ce que j'ai jamais inventé. Ce petit sucré salé là, je vous promets, c'est trop bon. Regardez ça, comment ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Hein. Dernière petite analyse aussi. C'est assez important, tu vois. Franchement, c'est délicieux, quoi. Même nature, hein. Oh là là. Sur ce, moi, je vais finir de manger. Mais avant de finir de manger, je vais finir cette vidéo. Je vais vous remercier tous, comme d'habitude, d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine recette, je vais faire une petite recette un peu Halloween qui sortira normalement avant le 31. Je vais essayer de la mettre dimanche. Enfin, vous pourrez essayer de le refaire. S'il n'y arrive pas, ben, désolé d'avance. Mais ça m'intéresse parce que j'ai trop envie de la faire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Enfin, le classique, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, surtout. Est-ce que ça avait l'air bon? Franchement, moi, je trouve que le pari, il est réussi. Hein. Quand je dis au début de vidéo, pas de lait, pas d'œuf, c'est la base, tu vois. Mais regarde, ils sont trop parfaits, quoi. Ils sont même plus beaux que ceux avec des œufs et tout, tu vois. Ça, je mets ma main à couper, ça. Même meilleur. Allez, ciao et à la prochaine.